Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'arrivage. On est à l'Ampertime et on peut commencer du côté multimédia aujourd'hui, si vous êtes d'accord bien sûr. J'ai trouvé ces petits supports, vous savez, pour mettre le casque et poser le smartphone. Ça coûte 1,50€ et on les a en noir et en blanc. Voilà, petit accessoire sympa. À côté, on a le retour de la télécommande universelle en grounding. Celle-ci, elle coûte 5€. Ah, j'avais pas vu, on a même les touches Netflix, YouTube, qui sont déjà, c'est une nouvelle génération quoi. 5€ pièce. Autre chose ici, c'est un petit accessoire donc, que vous branchez sur votre iPhone qui va vous permettre de mettre une prise casque, vous savez les prises jack à l'ancienne, ou bien une autre prise USB-C. Ça c'est un petit accessoire sympa. Quand on n'a pas envie de changer d'équipement, on peut l'adapter facilement. Ça coûte 5€ pièce. Pour les enfants, on a des écouteurs Pokémon ou Mario à 4€. Ils sont mignons comme tout. Allez, je vais m'arrêter au bureau, à la bureautique. Regardez les jolis carnets qu'on a à 2€. Spirale, 90 feuilles. Ils sont super mignons. Vous avez plusieurs sortes de couvertures. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. 2€, je vais regarder comment c'est à l'intérieur, s'il y a des lignes ou des carreaux. Ouais, c'est ligné. À côté, on en a un autre, je vais vous le montrer. Alors déjà, on a celui-ci en petit format A6, qui est ligné aussi à l'intérieur. Avec le stylo, ça coûte 1€. Et on a une autre nouveauté ici, en format A5, 80 pages. Regardez, ils sont chouettes. Ils sont à 2€. Vous voyez, pour les couleurs, là, on en a plein. On a du beige, du vert, du rose, du bleu. C'est vrai que papeterie, ils ont des trucs sympas. Hein. Je vais faire un tour au loisir créatif. Alors, il y a toujours ces sets-là qui sont revenus. Vous savez, les livres à colorier avec les feutres, ça c'est 2,70€. Et on a des kits DIY, des maisons miniatures, à 10€. Donc là, pour l'âge, c'est 14 ans et plus. Ça, c'est le glacier. On a ici le bookshop, la bibliothèque. Et là, il y a l'épicerie. Trop mignon, 10€. Et ici, ils ont remis des Hobby Perles, les 16 pièces, comme ça, 1,50€. Hop, il y a différentes couleurs. On a des plus grosses comme ça, elles sont sympas d'ailleurs, celles-là. Il y a pas mal de nouveautés là pour les jolies qui font des perles. Vous voyez, on a aussi des perles en bois dans leur boîte à 2€. Vous avez celle-ci avec des lettres. Il y a des perles avec des lettres et des perles unis. Et après vous pouvez aussi, donc ça coûte 4€, et vous avez aussi celle-ci si vous voulez rajouter à 80 centimes le sachet. Différentes couleurs et formes, bien flashy pour l'été. Toujours en DIY, il y a pas mal de nouveautés là. On a les arcs-en-ciel, donc en bois, qui sont à peindre. Attendez, hop, ça coûte 1,60€. Et regardez les jolies boîtes là en bois, alors avec différents modèles qu'on peut personnaliser à souhait. Hein. Elles sont à 2€ ces petites boîtes. Il y en a avec des fleurs, il y en a avec un cœur. C'est vraiment sympa ça. Allez, on va s'arrêter au rayon déco. J'ai vu ces petits cadres qui sont à 1€ en 10 par 15. Vous les avez aussi tout en blanc comme ça. 1€. Et on a ce grand cadre en 70 par 50 à 10€. Et on dirait exactement le même que chez Maison du Monde. C'est vraiment impressionnant. Il y a différentes variantes. Ils sont beaux. Hein. Alors pour la couleur de cadre, moi j'ai que couleur bois. Peut-être que chez vous, il y a différentes variantes du noir ou bois blanc à vérifier. L'autre jour, je vous ai montré ces lampes. Je vous disais qu'il y avait différentes variantes. Et en fait, là, je crois que j'ai les deux. Je ne sais pas si on percevra bien à la vidéo, mais il y en a un qui est plus clair que l'autre. Donc ça c'est 9,70, presque 15 cm de diamètre et 27 cm de hauteur. Et alors à l'intérieur c'est une douille E14. Attendez, je vérifie. Oui c'est ça, c'est douille E14. Tiens, je suis pas venue en rayon épicerie depuis un petit moment. Ils ont rentré ceci, alors ils n'ont pas encore mis le prix. Je crois que c'est des chips, non? Ouais, ça doit être des lots de paquets de chips. On a 5 paquets nature et 5 paquets goût paprika.
Voilà, il y en a pour tout le monde. Ici, on a des espèces de curly mais goût pizza à 2 euros, les 113 grammes. Et vous avez toujours celui-là au piquant, la Carolina Reaper. Il paraît que ça arrache. J'ai pas osé goûter, moi, perso. Pourtant, j'aime le piment. Alors, ici, je vois qu'ils ont remis ces boîtes de chocolat. Je croyais que c'était une édition spéciale Saint-Valentin. Ça coûte 3 euros, les 200 grammes. Bon, si vous aimez les célébrations, on a plusieurs formats. Hein. 9 euros, la plus grande boîte, hein, 600 grammes. 3,40€ les 270 grammes et la fameuse bouteille à 6€ les 312 grammes. Et par ici, vous avez des M&M's au caramel salé, pointe de sel. C'est 3€ les 200 grammes. Après, on a d'autres conditionnements et d'autres sortes de M&M's, mais ça me semble cher, non? Les 80 grammes à 1,20€. Et vous avez ceux-là aussi. C'est les Crispy à 1,20€, les 77 grammes. Côté biscuits Milka, ils ont rentré ceux-là, vous savez, comme les petits écoliers, là, les petits écoliers. C'est 2€ le paquet, en 150 grammes. Donc ça vient d'arriver début mars. Et on a ces cookies chocolat, donc 1,88€ le paquet. Ça vient rejoindre les autres. Il y a ceux-là aussi à 1,88€. C'est sensiblement les mêmes, sauf qu'on a une base vanille. Et là, on a ceux-là fourrés à l'Oreo. Oula, mais ceux-là, ils sont pas nouveaux. C'est 1,80€, ils sont moins chers. Alors, au rayon fête, c'est vrai que je m'arrête pas souvent ici. J'ai vu qu'ils avaient ces pochettes cadeaux. C'est des pochettes d'excellente qualité, comme d'hab. Hein, qui sont à 1€. On a en plus la petite carte et l'enveloppe. Et là, il y a différentes couleurs. Sympa. Ça aussi, ils nous ont sauvé Action, je vous promets. Hein. Ça coûtait cher, ce genre de choses. Ça coûtait très très cher. On était quoi? Il y a 4€, 3€, 2€. Là maintenant, c'est vrai, nos actions, ben, et franchement, la qualité est semblable. Hein. Ils se sont gavés pendant des années. 1€ pièce. Si vous voulez un petit format, il y a aussi celle-ci à 49 centimes. Et là, vous avez différentes couleurs aussi, en fonction de ce que vous avez à offrir. Et moi, je fais partie de ces gens qui disent, enfin, qui pensent que l'emballage, c'est déjà une bonne partie de la satisfaction cadeau. Pour les anniversaires, on a les petites langues rouleaux animaux là. C'est 80 centimes les 8. Ça fait un petit masque hein, d'après le visuel. Bon, c'est pour les gosses. Hein. Et alors ça, c'est un projecteur d'étoiles. Je sais pas si c'est pour mettre dans une chambre ou juste pour faire une ambiance. Ça coûte 5€. Alors juste côté salle de bain, regardez, j'ai l'impression qu'ils ont sorti une nouvelle couleur de serviette de la gamme Hôtel Royal. C'est un espèce de vieux rose comme ça. 50 par 100, 3,50€. Pour la qualité, on est sur du 550 grammes. Après, vous avez du blanc ici, au même prix. Et on a les grands en 70 par 140 à 6€. Elle est très très belle cette couleur. Et en plus, elle s'associe super bien avec, avec le blanc. On a une jolie tête de gondole ici. Pour les petits, ils ont sorti les mini chaises qui sont adorables, hein, à 4€ en plastique. On a toutes les couleurs qui sont là, blanc, bleu, jaune et rose. Et je crois qu'on a fait le tour, vidéo un petit peu courte, mais pas de grandes nouveautés. Je vous propose qu'on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous les jolis et à très vite, bye.